Bonjour tout le monde, bienvenue sous Palmi Sakma pour la caille. Nous venons parler de yon bagay qui passe dans Gonaïve là. C'est pas la tête chargée. En fait, nous devons titrer découvrir Saint-Pierre pour couvrir Saint-Paul. Bah la tête chargée. Nous connaissons, il y a un pile parler qui a fait pour courir dans le pays d'Haïti. Gagné qui n'en marron. L'État te dit c'est privé et c'est au cap mal géré, tu voles, tu couilles derrière. Tirez ça, c'est pour nous. Et puis, pas grand chose. Ça passe là. Incroyable, mais vrai, mes amis. Eh bien, ça ne va pas dire. Personne ne va d'avance en bas comme ça. Eh bien, gagner des pièces importantes, non, électriques, non, centrale qui gagne Gonaïve là, Simon Bolivar là. Yo retire pièces ça, yo. Yo prend yo. Pas tout presque qui passe l'autre là, yo expédie yo pour aller. Pour aller cap haïtien avec nous comprenons ça veut dire so ou gagne une centrale électrique Gonaïve donc ou prend pièce Gonaïve là hein et puis ou voyez cap haïtien bon non qui paye après ça fait hein so information cap ce qu'il est longtemps mais en plus monde pas de quoi jusqu'à ce qu'effectivement et Desrosiers Dieudonn et directeur central Simon Bolivar qui trouvait là Gonaïve et bien met bagarre là d'ailleurs confirmé hier mardi. Nous voulons rappeler que Venezuela fait nous cadeau trois gros centrales, une Port-au-Prince, une Cap-Haïtien, une Gonaïve. Donc, et pas prêter non Hugo Chavez va nous don ça. Comment on t'avait dit bien que Jovenel Moïse nous connaît que et Jovenel Moïse et traite lui pousser d'eau, il parle de Moïse, par reconnaître lui, mais il a fait nous don ça. Il va prêter mes gens l'autre. Donc, mais un cas précis qui explique nous qui Jean, administration Jovenel Moïse là, a fonctionné, qui veut faire nous croire que lui penche sérieusement sur politique énergétique nationale. Et il y a à peu près 6 dans 8 moteurs. Central Gonaïve yo qui pas fonctionné depuis plusieurs semaines nous 6 dans 8 en pile pièce important pièce maîtresse là dans yo et ben yo voye yo de préférence à rouler Central électrique José Marti qui dans Cap Haïtien directeur production EDH qui trouve un bureau la Port-au-Prince passer l'autre ça mais côté idée ça sorti même hein côté idée ça pour que deux villes. Qu'est-ce qui va y débarquer en ça? Bon, est-ce que c'est une façon pour plonger Gonaïve? Non, non, à toujours, parce que nous connaissons que Gonaïve, justement, pas quitter Jovenel Moïse, vient célébrer des 116e indépendance. Il dit, bon, Gonaïve, on met des trois pour comprendre. Nous ne pouvons pas foutre de nous. On ne blague pas dans le blackout. Depuis mois de mars dernier, il y a des rumeurs qui ont coïncidé avec coupure et drastique, intempestif dans la cité indépendance. Non? Autorité Port-au-Prince, vous n'avez pas parlé longtemps. Vous avez ordonné technicien de Gonaïve pour remplacer pièces usine. Et Gonaïve, Simon Bolivar, pour répondre à l'impératif, pour répondre à besoin de Cap-Haïtien. En fait, je le dis, c'est pour répondre à besoin de Cap-Haïtien pour carnaval et nous sommes le carnaval lapin matériel. Et monsieur, en fait, devant. Et en plus, il y a plein de assaillis du directeur pour poser la question à l'ingénieur Desrosiers pour te faire mise au point sur persistance blackout 24 sur 24, 7 sur 7 dans Gonaïve dans le moment. Il confirme que des condensateurs qui pour aider à Gonaïve, c'est eux-mêmes actuellement qui ont fait tourner le moteur central et Cap-Haïtien. Pour M. Dedon, qui trouve le nom, qui va y avoir un mot pour le bail devant bail ça, vu que trois centrales, ça, on connaît. Centrale Cap-Haïtien, Gonaïve, Cap-Haïtien et Gonaïve. C'est des dons de Venezuela. Et ils ont utilisé le même type de matériel. Dieu donne, dans une tentative d'explication, et il avait expliqué que. Il était déjà dit rumeur ça. Vendou, au départ, il était dit c'est un rumeur. Son bagage qui, son fondement. Mais le bail a persisté, tout le monde connaît, il est obligé de confirmer. Révélation que le bail, justement, il essaie d'entendre, mais ça le fait comprendre. C'est pour
plus rapidité pour éviter retard que Port-au-Prince mandé li pou le voyer pièce ça haïtien et que Port-au-Prince te dit la remplacer yo. Vous comprenez? Jusqu'à présent Nad Marinade. Comprenez bien, il y a 8 moteurs 6 sur 8 là pas fonctionner dans moment là. Et donc premier constat c'est que pas grand qui me suivi qui fait de dit bah bien on même là on bail dans moment dit bon ma bol pas bail constat ça pour dans mon honnête. Donc yo dit al démonter pièce dans moteur pour yo son non-sens. Vous comprenez al démonter vous voyez bail cap haïtien après ça ma bol. Vous comprenez? Avec tellement deux moteurs qui fonctionnent cap haïtien hein? Et donc c'est où vous avez une heure de temps, au moins une heure de temps. Vous nous bien deux fois tous les deux, trois semaines. Donc, vous avez dit chaque deux semaines ou bien trois semaines, vous avez un petit coup. Dans le moment où j'allais, ça, nous avons un témoignage là, mois de juin. J'allais, vous comprenez? En bas, le coronavirus, son calvaire justement. Et donc, 216 ans après l'indépendance. Maintenant, ça va arriver, tout veut, dans le moment où on a parlé là. Ok? Et donc, des centrales électriques, que vous faites un cadeau, il y a une pièce dans l'autre. Soulignez pour vous que vous allez reconnaître Nicolas Maduro, non? Qui va y avoir, côté vous besoin de pièces qu'on a, c'est une prière pour prendre un cap marché. Son monde, vous allez reconnaître, non? Vous allez reconnaître Nicolas, dans le moment où on a parlé là. Voilà. Donc, mes amis, nous allons comprendre qui est une situation ça dit vraiment. C'est une situation qui est vraiment difficile. Nous comprenons et inconcevable même. Inconcevable. On va t'apprendre, on t'a dit ou pas comme ça, on t'a dit dans le monde. On t'a dit, va vrai, pourtant, j'ai clair. J'ai clair, je vais entendre. So, on prend une pièce, on va le baron l'autre. L'autre là, je me crase l'autre là. Fais l'autre là, marcher. Tête chargée. Donc nous les rappelons aux gens balayés. Port-au-Prince qui a 30 MW. Dans le projet Venezuela qui bat, projet ça qui fait don ça. Port-au-Prince qui a 30 MW. Cap haïtien, le nord de manière générale, 15 MW. Gonaïve, 15 MW. Donc c'est un accord tripartite qui était signé entre le Venezuela, Cuba et Haïti. Et donc c'est comme ça causé à terre avec bien des modifications justement et qui ne fait que je ne vous dis yo pas vraiment délivré parce que l'état a mal géré ouais jeune nous là yo ne cap fonctionner l'état décide de prendre pièce bien sérieux il décide de prendre pièce bien sérieux. Donc voilà guys, et nous devons expliquer la situation, ça une situation qui est vraiment difficile et délicate, nous connaissons. Alors il y a un côté qui a fonctionné sans énergie électrique, et sécurité. Ça a besoin primaire, ce n'est pas qu'à faire, on met fermé le pays, si pas de énergie électrique, pas de sécurité, bon, dis-moi, qui sont les gens pour venir? Qui est entrepreneur, qui projet de société ou un café dans le pareil contexte? Nada, zéro. En tout cas, je vous donne des informations pour vous pas oublier, toujours être connecté avec moi. C'était un plaisir.